Je vous propose une petite balade de 5 km au départ du camping de Marqueval, Autot-sur-Mer, Merville-sur-Mer. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est parti. Nous sommes donc à Pourville-sur-Mer. Voilà, c'est parti. Il vient de pleuvoir il y a quelques minutes. Le sol est mouillé. Nous voici dans la vallée de la Scie. Tout au bout, on devine la plage. Nous empruntons donc cette route qui va certainement monter. C'est parti. Restauration de la grange peinte par Monet. Au niveau du chemin du bois d'Auto, nous retrouvons un GR. Vous voyez la route ici. Nous allons donc le prendre sur la gauche. Et voilà, c'est parti. Nous empruntons donc cette route qui va certainement monter. C'est parti. Ça y est, la route se transforme en petit chemin de terre. Voici une petite vue du camping de Marqueval. En suivant le petit chemin, nous allons pénétrer maintenant dans la forêt. Ça y est, on sort du bois. Tout en longeant maintenant les champs. Ça y est, on est arrivé cette fois-ci en hauteur. Petites ornières, mais grands chemins. Voici nos amis les chevaux. Une petite allée de fleurs.
Regardez cette petite toiture étrange. Le GR nous demande de tourner à gauche. Nous sommes donc dans le bois de Bernouville. Maintenant, la balise nous dit de tourner à gauche, prendre la route. On devine une belle propriété derrière ces grilles. Donc, nous arrivons dans la rue de Bernouville. Nous allons donc sortir du village par le petit chemin qui est en face de nous. Oui, vous avez reconnu le camping, le Marqueval. Voici un petit point de vue sur Bourville-sur-Mer et son bord de mer. Notre promenade se termine tout doucement. Nous revenons à Bourville-sur-Mer. Nous allons entamer maintenant la descente. À noter que la petite balade que je vous propose fait environ 4 km. Le parcours est vallonné. Nous voici arrivés devant des escaliers qui vont nous permettre de regagner la route.
tout à l'heure, la commune dont on a fait le panorama, c'est la ville du Petit Abbeville, le hameau d'Auto-sur-Mer. Nous voilà arrivés en bas des escaliers. Nous allons donc quitter le GR et prendre sur la gauche ce qu'on appelle le cyclable. C'est parti, sur la gauche. Notre promenade se termine tout doucement. Nous revenons à Pourville-sur-Mer. Cette fois, ça y est, nous arrivons à notre point de départ. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.